Coucou les amis, c'est Raizen et bienvenue avec moi pour ma petite série de vidéos aventure sur Zelda Breath of the Wild. Donc dans cette série, vous découvrez mes premières réactions, on va avancer dans l'histoire ensemble. Je partagerai avec vous quelques tips pour vous aider aussi à progresser, puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et éventuellement un petit commentaire pour soit me donner des conseils, me poser des questions ou même juste faire coucou, ça fait toujours plaisir. Donc on se rejoint juste après l'intro. A tout de suite. Encore plus vite et plus longtemps. Mon avis, les amis, je me suis trompé de chemin. Je pense. Hein. J'ai fait une petite erreur. Parce que là, l'endroit où je vais, c'est pas un bon endroit pour tout de suite. Ouais, donc l'idée ça va être plutôt par là en fait. Le chemin. Vite, vite, vite. Ça je pense que je le confonds avec l'entrée. Enfin, il y a plusieurs entrées en fait. Il y a cette entrée là et cette entrée là. Mais moi je suis rentré par ici. Première fois. En fait, on va dire c'est une sortie plutôt. Sortie sud, c'est le bon chemin je pense. Pour retrouver Noya. Bon côté, parce qu'on a trouvé quand même des petits korogus. Ouf. Est plutôt cool. Non. Je tue, c'est une bombe. On l'a eu. Alors, il y a un autre petit pals. Pas sale. Tchop. Petit coro bonus, ça fait plaisir. Première fois que j'avais vu Noya en fait. Je sais pas ce que j'ai pensé, peut-être un monstre, un PNJ avec une quête ou un... Je vais pas parler. Fou. C'est lui Noya, Snifou. Nom d'une noix. Dis donc, petite noisette,
Tu peux me voir? Yep. Ah, youpi youpi, c'est fantastique. C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à me voir. Je m'appelle Noya. J'étais bien embêté que personne ne puisse me voir. Enfin, c'est pas grave, tu es là maintenant. Les méchants monstres qui vivent là ont caché mes maracas adorées. Ouf, ça va être costaud les amis. Ces vilains monstres se cachent derrière ce rocher. Oh oh. Sans ces instruments, je ne peux utiliser mes pouvoirs. Alors j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais récupérer mes maracas adorées, s'il te plaît? Ouais. Ça va être un peu chaud, je crois. On va récupérer ce qu'on peut. Parce que là, c'est mode expert. Je m'attends à un petit défi. Ça, c'est cool. Alors, le sapougorge, il peut faire le job. Ouais. On finit avec ça. Coupe-leur la gorge. Top. Voilà. Nickel. Finalement, pas trop de mal. Grâce à la baguette glacée, sinon ça aurait été dur. Parce que là, c'était du noir. C'est ouf. Ils sont super costauds ceux-là. Sûrement là-dedans. Maracas de Noya. Noya jouait de ses maracas adorées quand il avait à peine 2 ans. Ça c'est bon. J'ai une bombe. Gratuit. Ah ouais, le souci c'est que ça va un peu nawak. Un peu partout. Mais en attendant ça fera le job. Ah, la pluie, c'est trop bien pour la glisse. Youh. J'ai récupéré des maracas. Mais que vois-je là? Oh, joie! Mes maracas! Mes maracas! Rends-les-moi! Oh, rends-les-moi! T'inquiète, tiens. Copain. Comme je suis content! Ah, mais écoute, mes maracas. Ils sont vides. Ils ne contiennent plus une seule noix de kangourou. Impossible d'en jouer. Sniff. Si j'en avais au moins une, je pourrais chanter et danser. Et utiliser mon pouvoir pour te remercier. Je pourrais agrandir ta sacoche, par exemple. Cela te ferait plaisir, petite noisette? Please. J'en ai besoin. J'ai plus de place, là. Ça urge. Je m'en occupe, t'inquiète, j'en ai. Cette odeur. Celle d'une noix, Kourou. Oh, mais alors. Les enfants de la forêt t'en ont offert? Plutôt, je les ai pistés et après, Ils m'ont vendu ça, quoi. Si tu m'en donnes une, je compterai des compartiments de ta sacoche en échange. Et youpi, parfait. Alors, quel compartiment de ta sacoche veux-tu que j'agrandisse? Clair et net, les arbres. Reçu 5 sur 5. Allez, danse avec moi, petite noisette, c'est parti. Oh yes! Ah, ça va être trop bien, les amis. Ta-ta-tam. Donc, en fait, le Noya, vous lui donnez des petites noisettes, des petites noix Kourougou, et il agrandit votre inventaire, soit en arme, soit en bouclier, soit en arc. Faut choisir. Mais ça va coûter de plus en plus cher. 2 noix cette fois-ci. On va agrandir un petit peu plus. Mm-hmm.
par contre, si je choisis d'agrandir arc ou bouclier... Oh non, il se casse. Ça coûtera qu'une noix. Parce qu'en fait... plus je jupe le même truc, plus ce même truc va coûter cher. Mais les autres trucs, c'est séparé, quoi. De mémoire. Par contre, là, il va bouger. Donc ça veut dire... On peut plus agrandir. Désolé, petite noisette, je vais rentrer chez moi. Mais j'ai encore besoin de tout plein de noix Korogu. Si t'en trouves d'autres, viens me voir dans la forêt Korogu. Alors, heureusement pour vous, et pour moi aussi, pour nous quoi, je connais sa seconde position. Super facile à se trouver là. Donc je vais en profiter, je vais agrandir un peu plus mon compartiment à armes. Bouclier, ça me tente vite fait. Mais remarque, on a déjà le bouclier d'Itilia, donc c'est pas indispensable, ça va. Arc, ça me tente un peu, mais pas indispensable du tout. Quand même, les armes, c'est mieux, ouais, pour commencer. Petit champi, je profite. Non, du nom. Comment on se retrouve? Je voulais rentrer chez moi dans le forêt Korogu, mais je me suis perdu. D'après les gens du relais, ici c'est le Sandirul. Ah, non, ça veut dire que la forêt Korogu est encore tout au nord. Donc ça, ils nous indiquent la position. C'est plutôt cool. Bon, puisque je suis ici, je vais en profiter pour me détendre un peu. Ah, mais attends. Cette odeur, celle du noix de Korogu? Oh mais alors, les enfants de la forêt tendent à en faire d'autres. Mais oui, t'inquiète. Je sais pas combien de temps il reste, mais on va prendre tout ce qu'on peut. Plus d'armes. Ah, c'est trop bien. C'est un peu mieux qu'avant. Encore un. 5 noix, c'est un peu beaucoup. Après, ce sera 6. Je vais voir si on peut. Encore? On peut encore, les amis. Je vais faire arme. 8. Oh. Arf. C'est un peu beaucoup. Y a pas un Korogu ici par hasard? Genre un peu en mode des sphères. Louche. Très louche. Aïe, jeune voyageur! Oh non, trop louche là. Dis-moi, jeune voyageur, je peux lire sur ton visage que tu as dû surmonter nombre d'épreuves. Si tu souhaites, je peux te révéler ton avenir. Non merci. Je te comprends. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Comme par exemple que ton heure est venue. Prépare-toi à mourir. Oh, le Kisama. Tiens. Ah bah, c'est mon cœur jaune qui est parti. Alors, banana, ça c'est cool. Une autre petite arme comme j'aime bien, ouais. Attends, des Korogu, il y en a partout. Où est-ce qu'il pourrait y en avoir ici? Franchement. Peut-être des arbres. Un rocher.
Non. Je pensais pas être aussi vite à court en fait. Là, ces armes ils sont louches les amis. Ça sent le Korogu à plein nez. Je pense. J'espère. Je suis pas sûr. Hein. Mais j'ai envie d'y croire. Si on a vraiment pas ce phare-là. Il y en a un, les amis! C'est le gros arbre. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé, mais oui. On va aller voir Nouir. Enfin, moi avec l'anneau, quoi. Je reprends ma flèche. Ce petit piaf, je le laisse tranquille. Et on descend comme ça. Encore là, parfait. Choup. Là, j'ai tout. Dans l'idéal, je pensais 6. Comme ça, il m'en restait une. J'aurais upgrade d'autres choses. Peut-être bouclier ou arc. Malheureusement, c'était pas le cas. Au moins là on a le compte. Pour les armes. Plus important. Merci. Oh, si j'ai plus de noisettes, ils restent là encore les amis. Ça me tente, mais je sais pas où les trouver. Je pense qu'on va les chercher tranquillement. On en trouvera d'autres, c'est sûr. Mais déjà là, 4 inventaires de plus quand même, c'est pas dégueulasse. Moi j'aime bien. 4 ou 5, je suis même pas sûr en fait. En tout cas, mon carnet sera beaucoup plus libre là, dessus. Bon bah les amis, non on va cesser là, j'espère que ça vous aura plu, ces petites astuces, tout ça. Et c'est le cas, bah, comme d'habitude, pense à brûler à avoir des likes, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt, je vais faire les lucioles, tiens, si je peux. Soussou. À plus, amis. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.